myself. Take me right back to the start. Et eh bien salut tout le monde, c'est Colin, j'espère que vous allez bien, que vous pétez la forme, en tout cas ça va super les amis. Et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 sur notre série tuto déco. Et aujourd'hui, comme vous aurez pu le voir dans la cinématique, je vais vous montrer comment construire ce canapé très 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 moderne. Donc vraiment il n'y a pas de réelle difficulté, hein. Donc on a toujours le siège, imaginons en cuir, le siège pour s'asseoir, et c'est juste ce petit détail qui va faire la différence, qui va rendre ce canapé très moderne. Donc on passe en construction et je vous dis à tout de suite. Et re les gens, donc c'est bon, on est à l'étape de construction. Donc il faudra du béton rouge ou peu importe la couleur, là franchement je vous laisse au choix, mais perso le rouge moi ça me tente bien. Il faudra des dalles de quartz, des pellicules de neige et du tapis blanc ou une autre couleur en fonction du béton que vous aurez choisi. Donc pour ça, ça va être simple. Vous allez mettre 3 blocs de béton comme ceci. Ici vous allez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 pellicules de neige. 4, 5, 6, donc là 7, 6 et là ce sera 5. Voilà, comme ça. Ici on met, attendez, ouais, un béton rouge. Et tout sur cette partie là, vous allez rajouter des tapis blancs. Et après, là où vous aurez mis les pellicules de neige, vous allez mettre le siège pour s'installer grâce aux dalles de quartz. Et voilà, le canapé moderne est terminé. Et voilà les gens, la vidéo touche à sa fin, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc avant de vous laisser là, je veux bien vous montrer des petites décos que j'ai ajoutées en style moderne. Donc on va commencer par cette cheminée d'un style minimaliste. Donc le minimalisme, on verra ça, mais alors dans très très longtemps, ça vient pas maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Vous posez pas de questions, on verra ça largement plus tard, on a le temps. Après j'ai mis des petites décos au-dessus de la cheminée, j'ai mis quelques cadres pour ajouter le moderne. J'ai essayé de jouer un peu avec des formes, vous voyez, j'ai fait une diagonale avec les dalles. Ici on retrouve notre petit canapé, en face on a un tapis assez moderne en jouant sur des formes et le contraste. Ici quelques plantes et puis là un petit meuble assez moderne aussi, toujours en jouant sur des formes. Donc voilà quelques petites idées de décoration que je peux vous donner. Donc sur ce, j'espère que tout ceci vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, on fixe un objectif 15 likes. N'hésitez pas à commenter, à partager à votre famille, à vos amis et sur les réseaux sociaux. Et de vous abonner pour les nouveaux. Et moi je dis ciao tout le monde.